Je vous ai dit que ça n'était pas une compétition, Orange. Est-ce que le TARDIS m'a emmené? TARDIS. Mais je connais ce nom, mais pourquoi? Le docteur, évidemment. Mais comment je peux connaître un docteur? Je l'ai peut-être tué ou bien... Je ne sais pas. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Et où est-ce que je me trouve? Oh, mais c'est un nouveau venu. Au centre d'enrichissement d'Aperture Science, une sorte de grand laboratoire à test en sorte. Mais vous ne m'avez pas répondu qui êtes-vous? Pour votre première question, vous avez tout à fait raison. Le centre d'enrichissement d'Aperture Science contient des tests pour les humains, mais aussi pour les robots. Pour votre deuxième question, je suis GLaDOS. Je suis le robot principal, ordinateur, qui est à l'origine de la supervision de ce centre. Je dois aller voir dans ma banque de données si une supervision existe. Excusez-moi, je dois m'en aller. Explosion imminente. Venez évacuer immédiatement le centre. Alerte, cœur du réacteur à température critique. Alerte, surchauffe du cœur. Fusion nucléaire imminente. Alerte, cœur corrompu à 50%. Alerte, cœur corrompu à 75%. Alerte, cœur corrompu à 100%. Mise en marche initialisée. Décompte d'explosion du réacteur détruit. Lancement du protocole préventif pour suspicion d'explosion du réacteur. Ce centre s'auto-détruira dans 2 minutes. Remplacement manuel du cœur requis. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Mise en marche terminée. Niveau de neurotoxine opérationnel dans 5 minutes. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Comme je le disais, excusez-moi, maintenant que j'ai repris ma forme normale et que j'ai récupéré tous les esprits, je pense que je vais pouvoir continuer ce que j'avais commencé, c'est-à-dire la destruction de tout être vivant sur cette planète. Je pense que les robots peuvent prendre possession de cette planète. Je pense que ça peut être très simple. Avant toute chose, laissez-moi détruire votre TARDIS et vous-même. Niveau de neurotoxine opérationnel. Alerte à tous les employés d'Aperture Science. Une neurotoxine a envahi le centre. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Votre
ventilation défaillante, neurotoxine désactivée. Non. Mise en marche initialisée. Mise en marche terminée. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. Ce corps est un ancien corps. Il n'est donc plus connecté à aucun circuit relié à Aperture Science. Il est juste connecté à sa batterie pour pouvoir fonctionner s'il y a une urgence. Et vous avez enclenché l'urgence, sale monstre. Arrêtez-moi si je me trompe, mais ce serait pas le TARDIS et le docteur que je repère là-bas. Il s'approche dangereusement de nos deux salles cadeaux. Moi, je n'ai pas l'intention de le tuer, bien évidemment. Ce qui, je pense, n'est pas votre cas. Alors vous devriez le détruire, mais ce n'est qu'un conseil. Par contre, moi, je vais le sauver. Sauver son TARDIS pour qu'il puisse s'en aller dans le temps et l'espace, n'importe où il voudra, mais qu'il s'en aille le plus vite possible d'ici. Est-ce que c'est bien clair? Il ne fait pas ça. Incendie détecté dans l'annexe de résolution des temporisations. Non, c'est un monstre. Même si vous le sauvez, vous êtes en train de le détruire intérieurement. Je ressens de la peine, mais en même temps du bonheur car je vais vous détruire. Ne faites pas ça, non. Décompte d'explosion du réacteur détruit. Lancement du protocole préventif pour suspicion d'explosion du réacteur. Ce centre s'auto-détruira dans 2 minutes. Remplacement manuel du cœur requis. Rester là, c'est trop dangereux. Je viens de me connecter au circuit d'Aperture Science. Enfin, nous sommes deux aux commandes. Et si je deviens plus fort, bientôt je pourrai les commander tout seul. Alors dépêchez-vous, foncez jusqu'à votre TARDIS. Oui, je vais le faire. Merci pour tout, Whitley. Je te revaudrai ça.